soirée aux Oscars. C'est génial. Ouais, c'est important de laisser la parole aux jeunes. Pour sa 8e édition, le prix d'écriture Claude Nougaro récompense de jeunes auteurs créatifs. 4 catégories, nouvelles, scénario de court-métrage, bande dessinée et enfin chanson. Un prix découverte est destiné aux 15-18 ans et un prix tremplin qui s'adresse aux 18-25 ans. Ça crée un lien social, se retrouver comme ça entre créateurs, jeunes créateurs. Je pense que c'est une magnifique initiative. Quelle est la différence entre la folie et les rêves ? Pour ses talents en herbe comme Robin, Léa ou Margot, c'est une main tendue, un encouragement. Chaque lauréat bénéficie d'une dotation, comme par exemple un enregistrement en studio, un stage d'écriture ou encore du matériel informatique. Un vrai coup de boost. C'est vrai que c'est un super tremplin, ça peut ouvrir plein de portes. Quand on est jeune, on se dit, il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi, moi je sais pas écrire et ce prix permet vraiment d'apporter plus de confiance en soi. Grâce à cette initiative, la région Midi-Pyrénées s'investit au-delà de ses responsabilités éducatives. Il est bien qu'une institution démocratique montre qu'elle s'intéresse à la jeunesse au-delà de ce que sont ses obligations en termes de lycée, d'enseignement supérieur, le CFA. Et puis après, on leur donne les moyens aussi d'accéder à un palier supplémentaire dans leur carrière, enfin dans leur début de carrière. Les lauréats découvertes remportent un voyage à Montréal. Les majeurs verront eux leurs œuvres éditées ou enregistrées. Avec leur premier prix, Leïla et Cécile vont publier leur bande dessinée. La première chose que j'ai pensé et que je pense que tu as aussi pensé, c'est pourquoi pas faire d'autres concours. Ça nous aide à avancer dans le dessin, dans l'écriture. Et le prix Claude Nougaro a su dénicher de grands talents. Lauréat il y a 4 ans, le groupe Scarcrow se lance dans une carrière prometteuse. Ça nous a aussi apporté un poids vis-à-vis des programmateurs et des professionnels du milieu. Le prix Nougaro est quand même assez réputé. Nous, Zebda, il nous a fallu 10 ans pour atteindre une certaine lumière, disons. Eux, je leur donne quelques années pour qu'on entende parler d'eux. 500 manuscrits ont été envoyés, 15 prix distribués. La culture en Midi-Pyrénées est promise à un bel avenir.